Oh shit. Oh, Tay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album either, these are just. Salut tout le monde, c'est Grizzly, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Let's Stay on Earth. Alors, encore un épisode particulier aujourd'hui, un épisode pour confirmer les rumeurs un peu que j'expliquais hier, pour concernant si on ne trouvait pas dans la zone rouge du minerai de bauxite, eh bien on allait se rendre chez nos voisins. Donc j'avais dit ça dans la précédente vidéo, eh bien on va s'y rendre parce que par curiosité, après le taf, je me suis dit, bon allez, ce soir, je vais pas faire une vidéo, tranquille, posée et tout. Mais je suis allé vérifier, et là, j'ai vu que... Ben, une petite surprise pour vous, on va voir en direct, enfin pas en direct, mais on va voir ensemble. Et vous allez être contents, parce que il y a eu, avec la mise à jour 1.5.5, un reset des bases AI. Et ouais. Du coup, moi je suis happy parce qu'en fait, vu que je les avais déjà raid, vu que je suis déjà allé les casser tout seul, en mode solo, sans vidéo, sans rien, vu que j'ai pas commencé mes vidéos depuis, et bien, j'ai trouvé ça dommage de les avoir cassés, pas de vous les avoir montrés, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va en profiter. Donc je pense que vous allez faire pareil, hein. Allez, bon, j'ai pris 6 H aujourd'hui. Ouais, on va aller voir. Ok, c'est cool. Moi, j'aime bien les armes. Peut-être qu'on va pouvoir utiliser sur... H en fer. D'accord. Ok. Ah non. H en fer. Attendez. Alors, attendez, là. Là... Donc, pour casser du niveau 2, il faut une hache en fer. Ok. Donc, c'est-à-dire que pour entrer ici, il faut une hachette en fer. Ok. Donc, maintenant, on peut voir sur des murs de niveau 2, on peut rentrer maintenant, quoi. Je suis choqué. Je suis carrément choqué. On peut visiter carrément toute la maison de... Pardon, mais toute la maison de... Ah ouais, c'est fou, quoi. Bon, des compos un peu inutiles. Ok, purée. Eh, mais j'aurais su... parce que je voulais... Eh, ben, je le fais directement avec vous, hein. Moi, j'ai juste vu que on pouvait royaler, quoi. Mais si j'aurais su qu'il nous fallait une hachette en fer, mais j'en aurais pris une, quoi. Du bauxite, ça c'est cool. Ah, j'ai un peu les boules quand même, parce qu'il faudra que je fasse un petit aller-retour. Hop. Ok, ben j'avais plus de place. J'avais plus de caisse, pardon. Alors tout ça, franchement... Je vais prendre ça. Ça a été rajouté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est toujours utile, comme ils disent. On va virer ça, donc on peut encore casser deux murs de niveau 1. Ok. Non, mais je suis carrément choqué. Quoi. Je me suis fait avoir. Je pensais être parti avec 6 haches. Et ben en fait, bon, ça, des clous. En productivité, ça coûte pas cher. Ah non, mince, quelle connerie j'ai pas faite. On va aller voir s'il n'y a pas du bauxite quand même qui se cache là-dedans. On verra ça plus tard. Non, je prends pas ça. Pas encombré. Lâche-moi. Ah, non, y a rien. Bon, ok. Eh ben, c'est dommage. Moi, je ferai un tour pour... mince. Pour récupérer tout ça. Ou alors, on récupère maintenant. Ouais, non, mais je reviendrai. Est-ce qu'il y a moyen de faire un glitch comme ça en direct? On va essayer s'il y a un... Ben non, si on casse les murs, on peut pas. On peut pas faire le glitch. Si on casse les murs... C'est-à-dire que ça sauvegarde automatiquement notre progression par rapport à la base AI. Écoutez, on va faire un aller-retour. Hein. Je suis désolé, je m'étais pas préparé. Vraiment pas préparé à ça, quoi. Je pensais que c'était bloqué, hein, qu'on pouvait toujours y accéder en C4. Enfin, avec des...
des masses explosives. Du coup, allez, on rentre à la maison vite fait. On va aller déposer ça. On va se faire une petite. Même deux hachettes en fer. Deux hachettes en fer, on sait jamais, ça se trouve, il y a deux salles. Et vu qu'on a 5 minutes, soit on va voir le player là-bas, ou soit on va voir Stick. Sticks. C'est à peu près le même coût d'énergie. Ouais, Stick c'est plus près. Donc on ira voir Sticks. Ouais, allez, go, 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 go. Arrêtez de faire le pitre. Oh, j'ai été surpris, quoi. Suis bien fait avoir là. Et, donc au moins ça vous permet de voir. Prenez au moins deux hachettes en fer avec vous, quoi. Si vous voulez aller voir plus loin, moi j'espère en fait avoir une pièce de chopper. Parce que j'ai toujours pas. On va voir ensemble vite fait. Hein. Voilà où j'en suis, j'ai toujours rien. Donc c'est un peu dommage. On va placer le coffre vite fait ici. Allez hop. Pas très loin. Ok. C'est dommage qu'il n'y a pas une touche inverse. Pour faire tout ranger. Donc on va voir ce qu'on a loot. Au moins en même temps, ça fera une petite synthèse à la fin. Une hachette à moitié usée, ça sert pas à grand chose. Donc je vais la garder, je vais la ranger. On va partir comme ça. La pièce de moteur, je vais la mettre avec les autres. Je vais la mettre avec les autres. Donc du coup, là on est comment? Ben, il va falloir des hachettes encore. Je pense qu'on va faire direct le voyage entre Nikita et Styx, si on a assez le temps. Si je rame pas trop, vu que je suis en train de ramer là. Allez, fabriquer la hachette en fer, il faut quoi déjà? Il faut quoi? Tac. Hachette en fer. Ok. Moi, je vais prendre sur le stock ici. Prendre sur le stock. Bah, le bois, depuis que je fais des vidéos, pour moi, il se fait de plus en plus rare. Parce que les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Et du coup, je joue principalement quand je fais des épisodes. Limite maintenant. Donc, peut-être que je vais ralentir un peu la publication des épisodes. Mettre plus sur 2 jours. Donc ça me permet aussi de vous parler un peu de la suite de la préparation d'un bunker. Hein. Vous inquiétez pas, je pense que le prochain épisode, ce sera pour ça. Ce sera pour ça. Il manque, ouais, c'est ce que je faisais. Ce que j'étais en train de faire. Ok. J'ai appris, ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On va en prendre 3. 3 parce que dans la base de Styx. Ouais, 4. Allez. Après, je pense qu'on n'aura pas assez d'inventaire. Hein. Je vais casser, je vais prendre ce qui est utile. Hein. On va prendre ce qui est utile. Et puis, moi, je reviendrai en off pour tout reprendre. Prendre les trucs principaux. Ah non, ça, c'est le stock tampon. Ok. Je range vite fait, désolé. Parce que sinon, après, c'est un peu n'importe quoi. Tac, on va se faire des petites haches normales. On va en faire pas mal. Je crois que je vais en refaire 6. Donc, c'est 2 stacks, hein, comme ça, de 20. Allez. Allez. Boum. Ouais. Et je vais en profiter pour remercier tous mes nouveaux abonnés. Franchement, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Là, actuellement, quand je vous parle, je suis à 30. On est à 34. Les gens n'hésitent pas à publier des commentaires, à poser des questions, donc ça fait vivre un peu tout ça. Franchement, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je réponds. Vous voyez bien que je réponds assez vite. Quand je sais, je réponds, il n'y a pas de problème. Je me suis pas occupé du bauxite, hein, comme vous avez pu le voir. Hein. Alors, on est bien là? Ouais, on est bien. On est bien, on va faire de la place. C'est vraiment inutile ce que j'ai fait, mais allez. Allez. Bon, j'espère que vous avez aimé les précédentes vidéos. En tout cas, j'ai vu pas mal de commentaires positifs. N'hésitez pas à dire ce qui va pas aussi. J'essaie de m'améliorer au niveau élocution et tout ça, bon, ce qui est normal, hein.
Mais donner des conseils, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. Alors, 10 minutes, je sais pas si on aura le temps de faire un Styx. Parce que actuellement il est. Ouais. Le temps que je publie la vidéo pour ce soir et tout, que je la fasse et tout, je fasse le montage et tout, je pense que vous l'aurez pour 21h, quoi. Donc faudrait pas dépasser les 25 minutes, au mieux. Donc on va direct visiter. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont fait avoir comme moi, là. Partir avec des hachettes normales. Ok, des coffres. Oh, oh, c'est quoi ça? Du charbon? Non. Truc de fou, du charbon. Quelqu'un a déjà vu ça? C'est la première fois que j'en vois. Peut-être la petite mise à jour de ce matin. J'ai vu une petite mise à jour de. Ah, mais voilà, mais là, j'ai plus de place. J'ai plus de place, garçon. Comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est un truc de fou! C'est un truc de fou, sérieux! C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Il y en a un autre qui traîne? Bon, allez, ça, on va le laisser. On va foncer chez. Ça dépend de combien il me reste d'énergie, quoi. Bon, après, j'ai un peu de pièges. Je vais les utiliser là pour la vidéo pour qu'elle soit un peu plus rapide s'il n'y a pas assez d'énergie. Pas de problème. Hop. Là, ça fait 11 minutes. Ouais, on va voir le temps, on va voir le temps. On va voir le temps. Inventaire full. Ça sert à rien de partir comme ça. Allez. On va déposer vite fait. Ça fait beaucoup d'aller-retour pour un épisode, hein. Mais, comme vous pouvez le voir, on va essayer de faire deux bases. Et, si vous me demandez, on fera le troisième, hein. Mais je pense pas qu'il y a vraiment d'utilité. Au pire, je vous enverrai sur le prochain épisode la photo du troisième. Du coup, j'ai plus de place. J'ai vraiment plus de coffre. Donc, on va prendre sur notre série d'épisodes, je pense. On va emprunter un coffre. Voilà, on va emprunter un coffre. Allez. Pardon pour les bruits. Hop. Donc là, on a cassé une hachette en fer. On a 6 as. Ouais. On va en faire. Ouais, je pense qu'on va en faire une autre. Parce qu'il y a pas mal de murs. Il y a pas mal de murs. Vite fait. Désolé. Mais je suis tout excité comme la dernière fois. La dernière fois, j'étais bien excité. C'était le matin. Je suis de bonne humeur le matin, mais aujourd'hui, ça va. Bonne journée. Donc, du coup, là. Du coup, ça se répercute derrière. Allez hop, perdons pas de temps avec des conneries. Allez, on range à l'arrache pour une fois. C'est parti. Allez, cours. Ouais, je suis surpris qu'ils aient reset pour la mise à jour. Je me posais la question quand même. Je me posais la question et je suis surpris. Allez, on court. Oui, c'est pas grave, garçon. C'est pas grave. On n'est plus à ça près. Une petite zone verte ici qui a été rajoutée. C'est bizarre. Il y a une zone verte ici. Hein. C'est moi ou. Ouais, attendez, je vérifie quelque chose. Non, non, c'est moi qui bug. Ok. Allez, on rentre, on va voir ce qu'il y a. Il va sûrement avoir encore des choses intéressantes dans la partie niveau 2 des murs là. Ça va être cool. Déjà, on a une caisse à ouvrir. Hein. On a une caisse à ouvrir. Sûrement à la fin de la vidéo, je vais l'ouvrir. Donc on va commencer. Oh là, c'est quoi tout ça? On va commencer par là. Ou on commence direct par là. Allez, on va. Ah non, c'est. Merde. Je vais atterrir derrière un établi. Ah ça c'est pas intelligent. Hein. Je peux passer? Non. Je peux vraiment pas passer? Ah mais ça, mais c'est pas intelligent du tout. Alors là, gros fail en direct. Faites pas comme moi en tout cas. Faites pas comme moi. Ok, là on peut passer.
On passe direct dans des coffres de niveau 2, mais il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Je m'attendais vraiment à mieux. Ok, on coupe. Ouais. Ouais. Ouais, c'est que de l'occasion tout ça, c'est que de l'occasion. Allez, hache en fer. Okay. Mais on en a plus ou quoi? Non, mais c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Ça se trouve, la partie la plus intéressante est là-bas, quoi. C'est bien ce que je disais. La partie la plus intéressante est effectivement là-bas. Du coup, eh bien, peut-être qu'avec ce qu'on va trouver, on va peut-être s'en créer une. Donc, ok, on peut avoir tout ça. On peut avoir tout ça. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, il faut des planchettes de bois. Il faut des planchettes de bois. Trouve-moi des planchettes de bois. Il n'y en a pas. Ok, on est dans la merde. Ah, peut-être là. Oh là là, mais c'est magnifique! C'est magnifique, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ok. On va poser toutes ces daubes. Ok, on va pouvoir rentrer. J'ai attrapé la connerie. Ça nous a évité un aller-retour. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, un appareil photo, ça j'en ai plein. Ouais, du fil d'aluminium, c'est pas mal. Un petit briseur d'os, ok. Détruire, mais je vois rien là en fait. Donc là, il y a deux. C'est tout? Eh ben, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai pas eu grand chose, est-ce qu'on peut enlever ça? Toujours pas. Dommage. Bon, on va repartir. Oh, du charbon, ça c'est cool. On va fouiller un peu tout. Non, ça j'en ai pas l'utilité. On va rentrer avec quoi? Y a rien d'utile, hein. Voilà, j'ai cassé pas mal de trucs pour pas grand-chose. Je vais rentrer avec du scotch. On rentre avec des armes, du stuff. Ça, on va peut-être pouvoir l'utiliser pour la série d'épisodes de préparation, comme vous voulez, dites-moi. Si vous voulez pas, vous me le dites. On va libérer ça. Donc là, on a un peu de stuff. On revérifie. Ouais. On va partir comme ça. Bon, mais c'est cool, hein, quand même. On a eu du charbon. Moi, franchement, peut servir de combustible. Donc, évitez de le prendre. Je pense qu'il va servir à beaucoup d'autres choses. Donc, et du fil d'aluminium, je crois qu'on en a eu pas mal. Donc, on va faire une synthèse rapidement. On va faire une synthèse de ce qu'on a eu. On va fouiller quand même le pick-up. Rien du tout. Ok, allez, on y va. On y va. Bon, mais c'est cool tout ça. Donc, si vous avez la motivation, vous pouvez y aller. Vous trouverez l'aluminium, du charbon. Et peut-être des choses intéressantes si vous avez de la chance. Si vous avez de la chance. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est dommage pour le marchand, on aurait pu le faire. Allez, on va faire une synthèse de tout ça. Tout ce qu'on a eu, on va ouvrir le coffre. Donc on va voir si c'est vraiment intéressant. Mais dans tous les cas, c'est intéressant. Si vous avez l'énergie à dépenser, c'est des compos basiques hein, pour créer les hachettes en fer et puis les petites hachettes. Donc du coup, profitez-en. Hein. Profitez-en. Donc ce que je disais hier, en fait, c'est vrai quoi. Les rumeurs sont confirmées. Il y a bien des. On va regarder. Alors, on va échanger. On va échanger tout ça. Pour vous faire une petite synthèse des armes qu'on a eues. Sur deux bases, hein. Là on a fait juste deux bases. Si je vais faire la troisième, on va partir sur 25 minutes. Du coup, c'est pas top. Là, on a 20 minutes pile poil.
Ouais, on partira sur 30 minutes, je veux dire, mais... Ok. On a eu un katana, un petit flingue. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Du bauxite d'intéressant, quoi. Donc, en gros, on a eu, on va dire, 2 barres d'aluminium. 2 barres et demie. Plus une demi, ouais, ça va faire 3 barres d'aluminium, on a eu. Donc, c'est pas mal. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Donc, on va ouvrir la caisse. Oh, pas mal. Une masse assis. Dites-moi si vous voulez les rajouter. Je pense que c'est un bonus. Donc, ce serait bien de les rajouter pour écourter un peu la préparation du bunker alpha. Ouais, tout à fait, voilà. Donc, si on a pas mal d'armes comme ça, au moins on est sûr de faire le premier et le deuxième sous-sol, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, ben voilà. Mais on se quitte sur cette dernière vidéo. Pensez à liker et à lâcher des commentaires. Je remercie encore tous mes nouveaux abonnés. Franchement, je suis super content. Ça me motive encore plus. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Franchement, ça m'aiderait encore plus à me motiver. Et puis voilà, pour la suite aussi des événements, les choses à découvrir ensemble. Donc, voilà. Mais super. Allez, je vous dis à plus dans le game. Oh shit, okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Cirque du Soleil. This is not the album either, these are just...